Salut les barbus, et surtout salut les barbutipeurs. Aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire inversé. Qu'est-ce que c'est l'anniversaire inversé? Eh ben, je vais filer des trucs aux barbutipeurs. J'ai fait un peu de rangement, et il y a plein de trucs que je me sers pas. Et donc c'est l'occasion de vous filer des trucs, et surtout de vous remercier de m'aider tous les mois en me filant un peu de pognon pour continuer à faire mes conneries. Le principe et le fonctionnement, ça va être relativement simple. Vous m'envoyez... D'abord, la première chose, il faut que vous soyez un barbutipeur. Voilà. La deuxième chose, vous m'envoyez un mail. De toute façon, vous avez dû en recevoir un avec les instructions. Dans le mail, vous m'envoyez choix 1, choix 2, choix 3. Et s'il y a des gens à égalité, eh ben, je ferai un tirage au sort et ensuite je redistribuerai les trucs en fonction de vos choix. Première chose, un zoom H1. Qui marche encore très bien. Je m'en débarrasse, enfin, je vous le donne parce que j'utilise le Tascam DR60. Il marche très bien, le seul truc chiant c'est que c'est du mini jack pour l'entrée et moi il me faut du XLR. Le couteau, enfin le manche du couteau que j'ai refait dans l'épisode je sais plus combien, ce couteau là, je vous le donne. C'est pour vous, ça me fait plaisir. Suivant, alors ça c'est un vieux truc que je m'étais fabriqué il y a un bout de temps. C'est une ceinture. Faites avec un truc de sécurité dans les avions. Voilà, c'est une ceinture qui coule mais que j'utilise jamais. Donc, si ça intéresse quelqu'un, j'ai deux trucs pour les Orman Wave pour mettre sur la ceinture. C'est ce que j'utilise tous les jours. Là, c'est mes. Enfin, j'en ai plusieurs de en rab si jamais le mien il se pète. Le mien, ça fait presque un an que je l'ai, il s'est pas pété. Donc je l'ai en couleur ivoire et en couleur blanc. J'ai une petite power bank. C'est combien ça? 8800 mAh. Vous pouvez charger une ou deux fois votre téléphone avec ça. Une carte graphique Asus qui est intéressante parce que c'est VGA, HDMI et DVI. J'ai aucune idée des specs, mais ça peut servir à quelqu'un. Je file mon ancienne mixette de podcast audio, Soundlab Micro Mixer G105AA, qui marche très bien, qui marche sur 12 volts ou avec une pile 9 volts. Quelques patchs, un avec une bug de bière et l'autre avec le Blue Smoke Badge. C'est sympa, c'est en fait une sortie audio pour des casques, en particulier quand on fait du podcast. Donc là c'est une sortie 4. Il y a l'input, il y a le 12 volts et les 4. Alors j'ai pas la LIM, c'est une LIM standard, 12 volts. Un petit clamp, je me suis imprimé en 3D, c'était pour tester les inserts. J'ai une Game Boy Advance qui marchait mais qui marche plus, ou qui marche peut-être, mais j'ai pas vérifié. Voilà, une bêtise que j'ai imprimé en 3D, un espèce d'engrenage carré. 4 des porte-clés à la grotte du barbu, hein, trop bien. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai trouvé dans ma grotte pour vous filer. Donc, si ça vous intéresse, bien sûr, hein, vous m'envoyez un petit mail ou vous répondez au mail que je vais vous envoyer dans pas longtemps. Et puis voilà, c'est ma façon à moi de vous remercier pour le pognon que vous m'envoyez tous les mois pour que je continue à faire mes bêtises et des trucs comme ça. J'en ferai d'autres, ne vous inquiétez pas, parce que je ramasse toujours plein de matos et des trucs que j'utilise pas vraiment. Et ben. De temps en temps, comme pour le Noël des barbus, eh ben, je vais faire ça une fois de temps en temps pour essayer d'éviter de stocker trop de merde ou trop de bordel que je peux pas utiliser dans les mois qui viennent. Que la barbitude soit avec vous et à bientôt.